C'est sur ce terrain de basketball que le joueur de NBA Bismack Biyombo est venu rencontrer des jeunes de la ville de Goma, à l'est de la RDC. Un accueil chaleureux pour ce Congolais de 29 ans qui a lui aussi connu les difficultés de vivre dans une région en crise, comme il le rappelle. C'est bien d'être avec eux sur ce beau soleil. Et de leur motiver, parce que la réalité est que moi j'étais l'un de ces enfants quand j'étais ici au pays. Donc on doit toujours continuer à les motiver, parce que comme je dis, c'est le futur de ce pays. Je crois qu'ils vont faire mieux que nous sommes en train de faire. Mais ils doivent y arriver avec notre support. Parmi les jeunes venus participer à ce camp de basketball avec la star des Phoenix Suns, il y a Gloria, une jeune joueuse de 15 ans. On a tiré beaucoup de conseils, il nous a conseillé, il nous a montré comment la vie du basket fonctionne. Et il nous a poussé de l'avant, il nous a donné des encouragements de ne pas lâcher, de continuer à faire des entraînements pour arriver à notre objectif. Nous sommes très heureux de le rencontrer ici, car personnellement c'est la première fois que je le vois. Nous l'avons bien accueilli et nous sommes très heureux aujourd'hui. Sa visite nous permet de pousser un soupir de soulagement, car il comprend notre douleur due à la guerre qui sévit dans notre pays. Il apprécie que nous soyons l'avenir de ce pays, l'avenir de la RDC. Lors de son passage dans la ville de Goma, l'international congolais a officiellement remis un terrain flambant neuf à ses compatriotes. Il s'agit du premier camp de basketball qu'il organise en RDC depuis l'apparition du Covid-19 en 2020.